Bien le bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver, je suis en compagnie d'El Cedrico pour l'instant. Et bonsoir, bonsoir. Salut Pascal, salut Sedjan, salut Tiflo, salut Clem, qui c'est que j'aurais loupé encore dans le chat? Et salut Claude, et puis bonjour monsieur Cédric. Bonjour. comment allez-vous tous en ce vendredi soir? Le petit Flo va nous rejoindre. De toute façon, il a intérêt parce qu'on doit osciller son champ. Ouais. Donc voilà, moi je me suis racheté un champ. Je vais vous montrer un peu tout ce qui a été fait dans la ferme. En attendant que Flo arrive. Et puis bon, sinon, je sais pas ce qu'on va faire en attendant qu'il. On commencera en scellé, au pire. Voilà, je suis de retour à la ferme. Je viens d'aller faire ma mission. Oups, c'est pas le bon écran. Ah, il me saoule ce OBS. Était écran principal, merci. C'est quoi le truc qu'ils ont? C'est quoi ce bord? Les alertes, quelque chose qui va pas. Oh, c'est pas grave. Hop, désactivé. Le week-end s'annonce bien, monsieur Sedjance. Bah, c'est cool. Donc, je suis de retour. J'étais faire ma petite mission d'engrais à 7000 et quelques euros. Il n'y a plus que 70 000 euros sur le compte parce que j'ai racheté un champ. Faut que je paye l'ensilage d'Aflo. J'attendrai qu'il arrive pour ça. Salut Michel. Salut Frédéric Toulouse. Ah, Giflo dit synchro. Il synchro le petit. Voilà. Donc ouais, Flo avait fauché pas mal de champs d'herbe. Je sais que Papy l'avait fait dans le live jeudi. Il avait enlevé banné les bottes de Flo. Et du coup, bah. Voilà quoi. Il m'en a vendu une partie. Vous montrer ça, j'ai fait des bottes de foin dans le champ de trèfle. Ici. J'ai mis le mode de Mika qui nous fait des big bags de chaud quand on dé... quand on... des big bags quand on décharge les outils aussi maintenant. Voilà. Comment il va mon Pascal? On range le Renault. Hop, on est prêt. Alors, à la ferme. Bon, j'ai refait des bottes de foin là. J'ai déjà nourri les animaux. J'en ai pas beaucoup. J'attends que ma luzerne soit levée au dernier stade. Une grande récolte de foin. Là, c'est toutes les balles d'ensilage que Flo m'a donné. Elle m'a vendu. Faut que je lui fasse le virement. J'en avais pour 20. Je sais plus combien j'avais noté. Je vais vous dire ça. Il y avait 98 000 litres. Il y avait 98 000 litres, donc 98 fois 300, ce qui me vend 300. Ouais, c'était ça, je lui devais 29 400 euros. Et donc le champ qui a été racheté, là j'ai carrément acheté celui-là. C'est le champ 43 en colza, j'en ai dû mettre de la chaux et de l'engrais, donc il est tout bon. Voilà, nous on va se diriger dans notre benne. Hop, hop là, vous faites Tamiya. Voilà. Ah si, je vous ai pas montré à la ferme. Aussi. D'ailleurs, le mec, il atteint pas les gyros sur ses tracteurs, quoi. Il va finir sans batterie. Hein. Ouais. On a placé le trigger là. Là, qui est là. C'est le trigger d'échange entre fermes. Ça marche, cède. Du coup, c'est vraiment bien. Tout à l'heure, je suis arrivé avec mon plateau de bottes. Je me suis mis là. Hop. Je me suis mis dans la ferme de Flo. Les bottes, je les ai prises. Je les ai changées à ma ferme. Comme ça, elles sont passées à mon nom. Il n'y a plus de problème. Alors, est-ce que j'ai ces droits ou... Est-ce que j'ai droit de Flo aussi? Parce que là, tu vas pas pouvoir cracher dans ma benne. Je sais pas, c'est une bonne question. Non. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner les droits. Si pourtant, retirer le statut de sous-traitant. Ou je le fasse dans l'autre sens.
Toc. Et je vais me mettre dans sa ferme qui conduit mon tracteur. Comme ça, je suis sûr que l'ensilage sera son nom. Voilà, on va faire de l'ensilage de Seglimature ce soir, les amis. Hey, coucou mon Rome, comment tu vas? Voilà, voilà. C'est une petite idée de Flo, parce que normalement, on va l'ensiler. Et il va ressemer en maïs derrière, je crois qu'il avait dit, hein, directement. Qu'est-ce qu'on fait? On commence ou on commence pas? Bah, je ne sais pas. Bah oui, il m'a pas dit, le petit coquin. Oh, on peut déjà commencer une benne en détourant, hein. Alors, hein. Oui, allez. Ouais, allez. C'est parti. Oh, ça crache. T'as vu, je suis même pas dans le champ et ça crache déjà, quoi. Ah, ça va donner, hein. Tu m'as craché 86 litres. Attends, le Fent, il a du mal à démarrer. Oh non, c'est bon, tu me détectes. C'est pas beau, ça. Tu roules à combien, du coup? 8. 8, il a dit, monsieur. Je faut que je sois pas loin de tes fesses, du coup. Sinon, on se détecte pas. Alors, est-ce que ça va passer sous l'arbre? Bonne question. Pour l'instant, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, tout est bon. Il faut que je reste derrière toi, parce qu'après, il y a une clôture. Et ça rend, quand même. Ah bah, tu sais, bien fertilisé, bien chauré et tout ça, ouais. Ah, quand tu auras Flo, s'il vient en vocal, il va venir en vocal tout à l'heure. Faut que je lui demande ce que ça apporte IRL. Bah, j'ai vu il y a pas longtemps sur YouTube des gens justement qui faisaient du seigle pour de la méthanisation. Mm-hmm. Donc, Moi, je crois qu'il m'avait dit que c'était pour la méthanisation surtout. Ou papy, je sais plus. On sera un petit live tranquillou, hein, les amis, ce soir. Pas trop tard non plus. Et j'y bosse encore demain. Salut Franck! Un pote et les photos que t'as mis sur le Discord. Tire tout droit ou tu détournes? Je détourne. D'accord. Attention, frein à main. Frein à main, qui dit? Tu driftes le temps qu'on y est? Tu fais du drift? Ouais, exactement. Ok. Mais c'est pris pour Fast and Furious ce soir. C'est avec Gavin Diesel. Non, moi je suis Vinaissance, tu vois. Vinaissance, non, putain, fallait qu'il la fasse. Moi je suis vin rouge personnellement, mais. Ça se fait plutôt bien, ça. Dis donc. Quand même, c'est la première fois qu'on fait ça sur, ouais. Sur les opus. Mmh. Je crois que j'ai. Même sur le 19, j'en ai jamais fait. Même du blé ou. Je crois qu'on a jamais fait. Si je te pousse un peu, ça dit quoi? Rien. J'avance pas plus vite. Oh mince. T'as vu comment il est le flow quand même? Il nous fait bosser. Ouais, non mais. Mmh. Mmh. Bravo! Il oublie pas, c'est qu'il va devoir te payer. Moi, j'ai regardé l'heure. Il est 18h30. Bah, tu sais, il m'a déjà pas payé pour la dernière fois que j'ai bossé pour lui, alors bon... Non. Il a osé faire ça. Ouais, ouais. J'espère que t'as noté la facture à un endroit, quand même. Ouais, non, mais les intérêts de retard et tout. Ah. Ah, par contre, va falloir que je tape une marche arrière du Seigneur. Salut, Laurent, comment tu vas?
Le Fendt il recule pas aussi vite que la Crone. Hein. Attends. Je sais pas trop dans quel sens je suis. Ah, c'est. Comment il va, Eric? Ta 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 ta. Je ne détecte plus. Allez, le Fendt. Il a jamais eu autant au cul, le Fendt. À 88%. Est-ce qu'on va arriver au bord du champ là-bas? Attention, on fera main. Bon, là, quel drift. Ouais, mais là comme tu tournes, ça crache, je sais pas où. Hein. Ah ouais, on va arriver au bout du champ. Hein. 98. 99. Et impeccable, c'est oh bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le Fendt là au pire pour l'instant. Je vais switcher dans un de ces tracteurs qui a une remorque normalement. Ouais, il y a le Valtra qui est prêt normalement. Bah, je switch dans les véhicules de tout le monde là, c'est magnifique. Ah, il est dans le Valtra où il y a la benne. Ah merde. Bon, comme ça c'est fait. Ah, le blab. Bah oui, le blab, ouais. Je vais laisser arriver. Allez, le Fendt, on sort les doigts du huc un peu. J'ai oublié l'espace et je me suis trompé de point. Comme ça, c'est fait. Un près de la grange. Ok. Et on a la carte chance aussi à tirer, les gars. Carte chance ou malchance. On n'a pas fait ça en début d'épisode. Ouais, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, ça. Oh, peut-être que bah, on va le faire une fois qu'on sera arrivé à plus ferme. Donc du coup, ouais, j'ai monté les ridelles d'ensilage pour Flo sur la benne, quoi. Ça m'a coûté 2400 euros. D'ailleurs, il va falloir qu'il me les rembourse. Et faut qu'on vire l'argent à Flo aussi. De rien, de rien. Non, du coup, Cécile auprès de la grange, c'est où ça maintenant? Et... Hop de bique, avance le Fendt. Allez, on va vider dans le deuxième, la manœuvre sera plus facile comme ça. Mais avant de vider, non, je vais la vider des fois qu'il arrive. Ah bah il est pas habitué à avoir 25 000 litres aux fesses, hein, comme ça. Il a que 145 chevaux, le petit Fendt. Hein. Donc là on a vidé, on va laisser la place au petit Flo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer notre carte chance, les amis, ou malchance. C'est l'heure du tirage de la carte. Et c'est parti, les amis. On va croiser les doigts. On vient de se faire voler un outil dans la ferme, les amis. Ok, super. Carte malchance pour ce soir, les amis. Magnifique. Bon, bah, le vol d'un outil.
Je vais en choisir 4 pour ma ferme et je vais vous faire un sondage. Après, nos amis de... Nos amis Flo et Papy décideront ce qu'ils veulent. Donc, on va mettre le pulvé, les pandeurs à engrais, l'andaineur, et puis la presse. Salut Mika! Merde, je me suis planté de route pour arriver au champ crotte épique. J'ai tourné une fois trop tôt. Merde, c'est le champ. C'est mon champ à moi qui est là. Il y a combien... Ouais, Flo, il peut pas me dire combien il est dans la benne. Il est encore avec toi? Ouais. Bon, je dirais qu'il est à 75%, 75-80%. Ok. Je suis en train de faire une marche arrière du Seigneur. J'ai failli finir dans un arbre, mais ça, faut pas le dire. Bonsoir Sylvain. Salut Sylvain, j'ai mis map privée et E. Toi tu... On va pas dire que j'ai une faute d'orthographe. Hop là. Le champ, il est où? Il est là, l'entrée de champ, je crois. L'entrée de champ est là, les amis. Oui, je sais, Sylvain, je sais. Mais j'aime bien taquiner aussi. Un petit sondage du coup. Et coucou mon tatin. Qu'est-ce qu'il fait Flo? Il me klaxonne. Alors j'ai cru qu'il était plein, mais non, il est pas plein. Alors, quel majuscule? Quel outil est volé? Premier, on a dit le pulvé en deux. Le pulvé. Ensuite, épandeur. Ensuite, on a dit la presse. Et aussi ou le mémoire, ça je mets un peu toutes les catégories, semoire planteuse dans la même catégorie, comme ça hop. Voilà un petit sondage les amis pour savoir lequel. Voilà. Comment il va mon tintin? J'arrive hein, mon petit Cédric. Oh tu sais moi ça me dérange pas d'être payé à rien faire. Et bonsoir monsieur Flood. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas dit qu'il voulait parler dehors. Tu mets dehors ou? Papy était trop fatigué ce soir, je pense, pour ça qu'il est pas parmi nous. Ne vous inquiétez pas, il est de tout cœur avec nous. Ouais, voilà. Ah. T'arrêtes. J'ai cru que j'allais te foncer dedans. Allez, on est parti, les amis.
Merci déjà aux 24 pouces bleus, merci énormément. Et puis son dos va mieux, il en met le peu. Je sais pas, Mecha. Du coup, t'as eu un outil de voler dans ta ferme aussi, Flo? T'as dit quoi, David? T'as eu un outil de voler dans ta ferme aussi, du coup? Oui, j'ai vu. Hein. Ouais, ils m'ont piqué une masse. Ah, faut se voler la fourche à fumier. T'as vu, les silos, ils font bien quand même. Ils sont propres. T'as réussi à les tourner comme tu voulais, du coup? Ouais, nickel, bah merci à toi. Bah de rien, bah, je suis content, moi j'ai compris comment ça marchait, puis bah tous les bâtiments qu'on pourra pas placer comme on veut, je sais à peu près comment comment faire pour trouver la ligne qu'il faut, quoi. En plus, ils font pas tâche par rapport au... Non, non, je trouve qu'ils vont bien avec le style de la map. Ça rend bien ton seigle là. Ah, et puis il y a encore deux autres parcelles après. Ah bon? Je croyais qu'on en avait qu'une ce soir. Ah non, il y a trois parcelles. Celle-là, c'est la plus grande. L'autre, les deux autres font celle-là. Ah d'accord. Ah bon, ça va nous occuper. Et après, tu veux déchaumer pour replanter du maïs? Non, là, c'est du soja dans celui-là. Soja, et dans les deux autres, ce sera des pois. Ouais, on pourra toujours pas avancer le temps, quoi. C'est ça. Faudra que t'informes papy parce que pour lui, une fois qu'on avait fait l'ensilage de seigle, c'était bon. Et vu que tu veux semer au procide, on peut même pas s'en occuper, quoi. Bah, vous avez qu'à apprendre. Non. Du coup, pour l'instant, c'est le pulvé qui est en tête chez moi. Ça va, vous êtes gentil ce soir. Tu refais un tour ou tu fais des bandes maintenant, Cédric? Non, je vais faire des bandes. T'as un super chauffeur ce soir. Flo. La Cuma, un super chauffeur. Oula, reviens le tracteur. Ce soir et pourquoi pas les autres jours. Bah si, les autres jours vous êtes gentils aussi. Sauf sur le début de la limousine. Moi je me souviens d'une palesse. De quoi, elle était pas bien la palesse? Pas la version là. La dernière version qui est sortie sur King Mode, on l'aurait eu, on aurait été bien. En plus de ça, moi je me souviens. Hein. Un petit Flo qui nous a dit ouais, ce serait bien qu'on ait celle-là et tout. Il s'en est jamais servi. Interculture, c'est quoi ce délire? Ouais, interculture. Entre les cultures, ça veut dire ça? Interculture, monsieur Clem? Oui. C'est ça. Et du coup, c'est plus utilisé pour la méthanisation. Je vais y arriver. Ouais, y en a qui utilisent pour les vaches aussi. Ouais. Ça apporte quoi de plus par rapport au maïs ou moins ou c'est beaucoup de fibres et d'encombrement. De fibres et d'encombrement. Après, il y a de la valeur si tu rajoutes d'autres trucs avec. Mmh. Bonjour Léo. Il a piqué le téléphone de maman. Ou l'ordi de maman. Oh putain, chaque fois que j'arrive dans la montée, là, il peine. Je suis à 95, Flo. Merde, du coup, je me trompe de touche. Ah. Allez, Fent. Allez, sors-toi les doigts. Ça va, toi? Sors-toi les doigts du UF. Oh, bah tiens, tu me donnes l'œil. Arrête de bouger. Oh, bon, oui. T'as rendu Raval? C'est bon. Stop, Cédric. Eh, bonsoir, Madame Fred. Comment tu vas?
Non aux vaches qui pètent. Bonjour monsieur Taishan. Comment ça non aux vaches qui pètent? Alors ce Diablo 4. Où ce saut? C'est parti mon Guigui. Il y a une petite qui est derrière la porte. Ça va très bien madame Fred, quoi de neuf depuis le temps? Ah non non Flo, non non t'as fait ta pause syndicale, c'est à moi de la faire. Non j'étais pas en pause. D'accord. Il était en pause parentale, c'est pas la même chose. Même pas, j'étais en train d'atteler les chômeurs sur le Valtra. J'ai une pause pour le live ce soir, d'accord. Comment va monsieur Fred? Du coup, faut que je vienne par le côté là. Il y a des belles bottes d'ensilage bleu là. Maman. Il y a encore un moment qu'il y en a un qui m'en a pris. J'ai pris. Demain, tu auras peut-être un trigger qui sera vide. Là, faut que je te fasse le virement. Ouais. Il y avait un mur. Madame Fred. Une journée pour moi, pas évident, je pense que... D'accord, Madame Fred. C'est combien? C'est 93 000, c'est ça? De quoi que je te dois? 1000 litres. 98 000, je te dois 29 400 euros. Non. Bon, c'est maman, c'est pas moi. Bon, t'avances avec ton truc vert, hein. Oui, 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 j'arrive. Parce que toi, je m'enfonce. Ça marche, mon Fred. J'ai un fusible qui a sauté dans la cabine, je vois plus rien. Oh, les conneries qu'il peut raconter. Alors. Ah, faut baisser. C'est mieux, il paraît. À 21h, on arrêtera le sondage pour ma ferme. Est-ce que tu veux qu'on fasse un sondage pour ta ferme, Flo? Non. Ok. Pourquoi tu crois qu'il va... Faut confiance... Pas confiance à tes abonnés. Enfoiré, man. Par contre, nous, ça va, on a du petit matos. Par contre, papy, ça va lui coûter plus cher. Pas la même. Mmh. Matin, du coup, le prochain épisode, il se passe sur d'accord. Une map en Pologne. Pourquoi? Bah parce qu'en général, le matériel volé en France, il se retrouve en Pologne. Con. Et c'est pas faux ce que tu dis en même temps. D'accord, madame Fred. Ah, pardon, Flo. Je t'avais vu, mais j'ai reculé quand même. Ok, d'accord. Elles sont où tes autres parcelles après? Près de ces câbles là-bas? Côté de chez papy. Mmh. Ah, un peu plus de route là. C'est où c'est que t'avais ramassé la paille, tu te rappelles, avec l'autochargeuse là? Ouh. Elle est un peu plus loin que ces câbles. Où ça date? Dans le chemin. Derrière le coopératif, ces câbles. D'accord. Une devant, une derrière. Ah, tiens, est-ce que tu peux me ramener le Fen, le Valtra, s'il te plaît? C'est ce que je voulais faire. On a pas eu la même idée. Nickel. Oh la vache, Alculti il le fait lever. Ah bah il est tout juste hein. Yeah. Sorti un peu vite de ton chemin qui est un peu surélevé, du coup j'ai failli baigner. Ou c'est parce que t'as pas l'habitude d'avoir un tracteur neuf. Ouais c'est ça. Salut Antoine, comment tu vas? Salut. Merci déjà pour les 29 pouces en une demi-heure, là vous assurez les gars. Il y avait un poteau là. Il sera plus si neuf que ça, le Valtra, quand je lui réponds, c'est moi qui vous le dis. T'as pris l'arbre avant de te taper le poteau? Ouais, j'ai fait arbre poteau.
But. Ce qui est bien, c'est que les ridelles là, elles me font ridelles en silage plus grain. Donc ah je vais pouvoir les garder. Comment s'est passée ta journée, Eric? Ah oui. Il y a peut-être du monde demain. Il y a le GPS chez Flo en plus normalement. Oui. C'est plus facile, Madame Fred, comme ça. Et que j'ai arrêté. Ah bah c'est bon ça. Ça, t'auras pas mal d'ensilage pour tes bêtes. Ouais, enfin je vais tout vendre. Ok, d'accord. Il a fini de faire des virages au frein à main, lui. Tu sais ce qui aurait pu être bien, Flo, c'est qu'on mette la grosse presse Goel, puis ça t'aurait fait des bottes enrubannées. Eh ouais, c'est ce que j'ai pensé, mais ils auraient fait vachement de bottes. Ah bah là, oui, on aurait chié de la botte, oui. On est déjà à plus de 100 000 litres, et on aurait 3500 litres la botte. Mmh. Bah, c'est cool, cette week-end de bonheur. Ouais, sur un petit champ, ce serait intéressant. C'est vrai que le prochain champ que je vais faire en luzerne, pourquoi pas la mettre... La presse là, faudrait qu'on la mette à la cumin. Ouais. D'accord, Sed. Ah non, va pas plus loin, reviens par là, Cédric. Non. Bah si. Tu me suis bande... et c'est tout. C'est le conducteur de l'ensileuse qui décide. Oui, chef. Oh, non, mais attends, c'est le chevalier qui va nous donner des ordres. Non, mais attends. Oui, mais là, c'est le conducteur de l'ensileuse. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive, mais moi. J'arrive. Je crois qu'il se fout légèrement de ta gueule, mais juste comme ça. Non, non, pas du tout. Je serais pas. Là, je vous préviens, si ça continue comme ça, on va ensiler de nuit, les gars. Ok, c'est prévu. Hein. Ouais. Bon, ça va, moi j'ai du bel éclairage, je suis le fan, j'ai bien fait de prendre celui-là. Et après, tu peux caler un ouvrier à déchaumer. Hein. Oui, c'est pour ça, je suis en train de détourer. D'accord. Je fais deux tours et puis. Il y a des clôtures là-bas. Ouais. Ah, puis il y a surtout mon champ 11 qui est juste à côté, j'y tiens un peu. Moi. Ah, il faut que je prenne de la chèvre à papier pour labourer ma parcelle là. J'en ai une si tu veux. Ouais, pour ce que j'ai à faire, ça va le faire. Baiser, tu prends pas tout. 95. Le but, c'est de mettre dans la main. Hein. Ah bon? On perd pas de temps les gars, on perd pas de temps les gars, ça, eh, ça encile, ça déchaume là derrière, là. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Le problème c'est que si Papy passe le temps, il va nous baiser toute l'émission. Ouais, il va falloir qu'on mette une règle là-dessus, hein. Parce que même Cédric il peut faire des missions alors. Hein. Attends, il est dans le tri de son serveur donc. C'est plein. Plein, ok. Voilà pour enfiler des perles. Oui! Si on veut être plus vulgaire, on aurait pu dire autre chose. Mais ce soir, nous ne sommes pas vulgaires, nous ne dirons pas de gros mots. Comment ça? On n'est pas là pour enfiler des poules? Non, c'est pas ça? Non. Non, je connais l'expression pour les mouches. Merci pour les 30. Pouce. GG.
T'apprécies mon petit clin d'œil, hein, j'ai vu. Oui, c'est ça, joli petit clin d'œil. J'avais mis deux silos pour, croyant que j'allais remplir les deux. Enfin, un plein, hein, plus un petit peu. Du coup, évidemment, tu dis de vider dans le premier, vide dans le deuxième. Qui? Toi? Il m'a dit un près de la grange. Bah, le premier, oui, enfin, parce que j'ai pas écrit premier. Presque. J'ai pris celui qui était plus facile pour. Je crois que t'es reparti de l'autre côté, moi, Cédric. C'est pour ça que j'avais pas fait ma manœuvre. Non, non. Eh, vas-y, Ancile, c'est bon, je le prends. Allez, vas-y, vas-y. Je vais te faire un bisou sinon. Ah non, ça prend. Ah si, ça prend. Oui. Attends, attends, attends. Le Fent, il a pas autant de chevaux que ton lancileuse. Bah voilà. Ah, ah, ah. Et là, il va me faire la blague. Il va repartir de l'autre côté après. Je ne dirai rien. Ah, j'ai bien aimé ton clin d'œil, Romain. Il fait quoi? Il va où? Je sais pas pourquoi je m'y attendais, la petite blagounette. Du coup, t'as du matos pour tasser le silo, là? Ouais, un tracteur avec un chargeur. Impeccable. Le coup de sauvegarde, on l'a senti. Oh. Il est encore plein? J'ai vidé il y a 4 jours, là. Ah bah... Bah tu peux le faire aussi. Qu'est-ce que tu craches loin, Cédric? Tu brancheras le tuyau. Tu le brancheras et puis on en reparlera. Ah, tu peux te rendre à ton futur champ, Flo. Je pense que je vais prendre le reste. Oh oui, il y a longtemps que je suis parti au de futur champ. Tu prends pas tout, Cédric. Non. C'est pas assez large. Est-ce que ça vous plaît, les viewers, de changer un peu de culture en ensilage, là? Tu veux, on pense qu'il est le champ qui est à droite, là? Non. Je sais que aussi. Que je passe à petit con. Tu peux détourer, ça va te faciliter. Non, c'est bon, non, 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 je viens de... non, non. Moi je vais vider la ferme, ça sert à rien que je vienne là-bas, je suis déjà à 70%. Vous êtes parti au combien pour après? 34. 34, ça change. Hey, donc du coup, moi, mon matériel volé, les amis, c'est le pulvé. Hop là, le pulvé a gagné. Il y a combien de votants? 19 votants. Après, ça s'est joué entre le... Ah non, il me faut un deuxième tour, là, en fait. Ah bon? Ouais, pulvé, semoir, c'est égalité. C'est bon signe. Ah bon? Non mais je parle pas de... Ah. Pas précise. Deuxième tour. Regarde, t'as un silo qui t'attend derrière toi. Quoi faire? Il est dans un état, le gamin? Non. Allez, on est reparti pour le deuxième tour, les amis. T'as dit quel champ, Flo? 34. 34. Alors,
tout à droite. On va essayer de pas faire le tour de la map pour arriver jusqu'au champ. Mais ça, c'est pas dit. Tu reprends la route et tu fais tout le tour. Tu vas arriver chez papy. Tu vas gagner ton temps. Oh, je suis en forêt, ça va être le spawn. Le planteuse. Oui. Un peu moins chaud, Romain, dans ton appart, là. Ça marche, Mika. Bon dodo. Bonne douche. Et bonne nuit. Non, non, c'était ouvert tout de suite. Oui, t'as claqué avec... Ah, ce matin, je sais pas, ouais. C'était ouvert quand je suis rentré, moi, en tout cas. Pour rien dire, la vache. Je vais pouvoir revendre l'autre silo. Non, ça te permettra de tourner, ça. Oui. Merci. Oh, 32 pouces, les amis. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Le champ 34. Alors, quand je pars de ta ferme pour le champ 34, Fleu, tu repasses devant le magasin. Mm-hmm. Tu vas chez papy. Mm-hmm. Là, tu prends à gauche là quand tu sors de la ferme. Oui, à gauche. Tu repasses devant le magasin, tu repasses devant chez papy. Et tu après chez papy, tu vas à gauche. Et à partir, gauche. C'est la droite. Ok, ça marche. Au-dessus de ton sec de. Non, ta luzerne. Ma luzerne. Mais non, qui est con, c'était pas par là. Là qu'il fallait aller. Il fallait reprendre une planète balle. Ah, c'est pourquoi papy est pas là. Oh, il y a pourquoi? Bah, il live. Ah, bah oui. Ah, non, il avait Siana ce soir. C'est pour ça. Oui, non, je rigole. Il était. Non, puis en fin d'après-midi, il était pas. T'étais pas au top. Non. Et là, vous êtes pas gentil sur le deuxième vote, hein. Sérieusement, je vous le dis. Clairement. J'ai pas voté encore. Ouais, ça, allez. À pif. Allez, pim, j'ai pris dans le truc le plus grand. J'ai fait au pif. Un pifomètre. Bon, après, je vous le dis, hein. Semoir ou planteuse, ce sera l'outil le moins cher qui va être volé, puis c'est tout. Pourquoi ça clignote tes feux? Je sais pas, c'est ça cause la masse devant, c'est quand ça saute en fait. Ah oui, d'accord. Que si je baisse ma masse, ça saute plus c'est quand je baisse la masse. Hey, salut JP, comment tu vas? Et l'autre, c'est par celle, Cédric, tu prends le chemin à droite, t'es au bout. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? L'autre parcelle en ciné. Ah ouais. Si tu veux en ciné tout seul, tu le prends. Fatigué. Pas mieux ton doigt? Ouais, c'est ton doigt que tu t'étais coupé, JP. Il a cru qu'il... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a encore l'apéro. Ah, il y a encore l'apéro. Devine qui je parle. Hello. Bubule. C'est ça.
Donc je suis arrivé à la ferme au papy. Tu prends la route à gauche. Ou puis tu continues toujours tout droit. Ça passe pas. Il y avait une voiture. Voilà, on fait deux pains de chacun. C'est bon ça, bon apéro. À gauche et tu remontes, c'est ça que t'as dit. Oui. Pas le 34. J'ai hérité du 43 moi tout à l'heure, au fait, en vote. Ouais, ouais, j'ai vu la roulette là. Ouais, bon après j'en avais deux, mais ils étaient vraiment trop grands, ils me coûtaient trop cher. C'était trop grand pour mon matos. Si tu me fais un virement, je vais pouvoir. Et en fait, j'ai acheté une palette. Ouais. Je l'ai emmenée. Ouais. Elle a disparu. Alors, du coup, je me suis remboursé. Elle a disparu d'où ? Bah, je sais pas. Salut, on est là. Tu l'as fait à coup de F10 ? Non, 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 je l'ai emmenée avec moi. Et elle a despawn. Alors, je supposais qu'elle est arrivée. Oula. Ah, il y avait un arbre. Faut couper la branche. Il fait quoi comme modif sur la map? Eh ben on a ajout culture, fais les amis. Demi-tour, fais demi-tour, tu vas pas trop rentrer ouais. Par là. Oui. Je fais demi-tour, regarde. Vachement RP ce que je fais. Mais je suis dans l'arme. ajout culture, modification des fermes, modification du trigger pour vendre les balles. Modification. Modification, quoi d'autre? Il y a moyen que je pousse bientôt, ouais, mon fan, toi. Mais Flo, il est bien une citerne à gasoil pour me prêter du gasoil. Oui. Le trigger de lait aussi qu'on a réparé sur la map, ouais. Et, ah oui, par contre, ça, je viens de mettre une règle. Quelle règle? Si tu veux avoir un tracteur plus puissant, faut que tu en rachètes un. Parce que, irréel, tu fais pas monter en chevaux, t'es en tracteur. Ah bah oui, sauf si tu le reprogrammes. En puce. Mais tous les tracteurs ne se préoccupent, n'ont pas de puce dessus. Surtout les tiens. Oui, il y a des tutos. Moi, j'ai la chance de connaître Cédric, qui est un très bon prof niveau Giant Editor. Du coup, grâce à lui, j'ai pu. J'ai dit que c'est mal de tout, donc j'ai connu pas mal de choses grâce à lui, et j'en apprends encore beaucoup. Donc voilà. D'ailleurs, autant de rendement que dans l'autre parce que j'ai fait un tour 50%. C'est compliqué à faire. Ajout de culture, oui, ça nous a pris toute une après-midi hein, pour que Cédric m'apprenne. Donc ouais, c'est très compliqué à faire. Mais après, celui qui s'en donne la peine, je pense qu'il peut y arriver, Cédric. Oui, bah oui. Bah de toute façon... Le modding, le mapping, c'est de la motivation, de la patience, essentiellement. Quoi. Et de l'envie. Et de l'envie, oui. Et des cachettes et des boîtes de Doliprane sur le bord du bureau. Non, si honnêtement, si t'as la patience, t'as pas besoin de Doliprane, en fait. Combien de grammes, Flo, qui t'a cette affaire? 16%. Tout ce que je n'ai pas. Bah après, ça viendra. Ça... Si t'en as. Moi, j'en ai eu. Toi, t'en as. Ouais, franchement, Flo, au tout début, il essayait de modifier des petites choses. La patience n'était pas là. Quand c'est pour toi, tu veux. Tu as de la patience. C'est à partir du moment que t'es un gamin, t'as de la patience. Bah t'as pas le choix, hein, sérieux. Surtout quand ils sont fatigués, un peu irrités, si t'as pas de patience, tu pètes un plomb.
Rime, Cédric. Oh. Tu serais pas plein par hasard Non, ah non, il y a Alfred qui est derrière toi, c'est pour ça. Alfred. Moi, je suis plein, il me reste 500 litres à mettre. La patience, c'est quoi ça? Vous avez acheté ça où? Personnellement, je l'ai pas acheté moi. Je l'avais pas quand j'étais jeune. Ça commence à venir de plus en plus. T'es fatigué, Ced? Après, avec les jours qui rallongent, c'est compliqué de les coucher de bonne heure. Hein. Un coup de pelle. C'est ça. Et du coup, ça fait de la route là. Ah ben un peu. On a déjà, tu dois 500 euros à Cédric, parce que ça fait déjà une heure qu'il bosse pour toi. Je t'ai dit c'est le TA qui doit. Moi je paye juste la prestation de le TA. Y a pas de TA. La Cuma, pardon. La Cuma versera un salaire à Cédric et moi je paierai le Cuma. Ok, d'accord. Pourquoi pas payer Cédric directement? Ça va me coûter moins cher. Vais pas payer Cédric en plus de la Cuma. En fait, Flo, Quoi? la dernière fois j'ai travaillé pour toi. Oui, je te dois Il des sous. est où mon salaire? Vas-y, Cédric, Non, parce avance, que j'attends que t'avances pour venir, pour faire mon demi-tour. t'as Non, travaillé parce qu'une demi-heure, c'est ça? Comment? Tu voudrais pas que je reste dans l'ensileuse là, puis que je fasse grève par hasard? Salut jardinier, comment tu vas? Salut Stéphane! Salut Steph. Toute façon, tout est entamé est une heure complète à payer. Oui, non, je rigole. Non, il a travaillé pendant 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures. Hein. Dans le jeu, hein. Commence à avoir des petits sous, Cédric, hein, quand même. Hein. Il va bientôt s'acheter un Eh tracteur si ça continue. oui. Oui, un Zetor. C'est toi. Le Zetor, le petit Zetor, là, tu Ah sais, le truc qui date du siècle dernier. oui. Ah, c'est pas. Oh putain, il y avait une barrière là. Je suis arrivé à 50 dans le virage là. Comment il va Steph ce soir et comment il va jardinier? Un tracassin est un et un karcher pour Cédric. Romain, tu veux nous énerver Cédric ou quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il veut Là, c'est que de la grève. t'achètes un tracassin et un karcher, Romain. Karcher? Oui. C'est la marque d'un outil spécial, ça? Je sais Ouais, pas. Je connais pas, moi. c'est pour déchaumer. Ah, c'est pour des chômés. Ah bah c'est cool ça, Steph. Ah bah oui, tu rebosses non, Steph, si je me trompe pas. Merci aux 35 pouces. Yes. Merci aux 16 viewers. Valtra va avoir 15 heures. Mon dieu. Ça, c'est cool, Steph. Votez bien. D'ailleurs, il y a un vote en cours. Votez bien. Je compte sur vous. C'est pour que l'outil soit volé, hein. Et le prochain épisode se fera sur une map polonaise. Merde, je vais le tourner. Ils iront récupérer leur matériel. Eh ben, allez. Bon, on va faire l'exploitation agricole concurrente. Salut Grégoire, bienvenue à toi sur la chaîne. Salut, Cricoder. T'imagines, tous les ans, je vais avoir autant d'orombanage. Oh. De toute façon, je t'en achèterai toujours, hein. C'est quoi la Moi, j'aurais du question? silage à vendre, tu vois. Ouais. La question, Grégoire, c'est j'ai tiré une carte malchance, il y a un outil qui a été volé dans la ferme et bah, il y avait eu un premier tour et c'est la planteuse ou semoir. La planteuse, semoir ou le pulvée. Choisir au deuxième tour du coup. Je suis à 86% peu. Ah bah attends, je viens de vider. Ok.
Et t'essayes de, quand on vide, de pas dépasser les murs si possible. Pourquoi j'ai dépassé les murs? Non, ça doit être moi tout à l'heure, mais au cas où, si tu en hauteur pensais à aller plus haut, oui. Ok. Ça fasse un silo plus ou moins propre quand même. Salut Matt, comment tu vas? Normalement, on va pas le remplir. Salut Giflot, salut David, et salut à toi mon petit Cédric. Comment tu vas? Non, Mon c'est petit Matt. Matt. Ah, ouais, tu disais la fin de la phrase. Ouais. Je l'ai lu à l'envers, mais je l'ai lu. Putain, il fait noir nuit. Comme truc de cul. Est-ce que tu vois le jour, Cédric, comme ça? Oui, oui, un peu trop même. Ça va, nickel, Matt. Je suis plein. Et salut Chifou FR, bienvenue à toi sur la chaîne. Salut bon. Chifou. Il n'y aura pas d'alerte ce soir parce que le truc qui déconne, il a fallu que je désactive, à moins qu'il remarche. Non, il marche plus, faut que je refasse une bidouille. Bidouille. Ouais. Ah, on va tirer une parcelle et si je tourne celui-là 18, ce serait impeccable. Oui, bah oui. Il y a une chance sur 150. Ah, comme moi qui voulais avoir la parcelle 88. Non, fallait peut-être pas que je tourne à gauche. Voyons voir la map. Nous sommes. Je tourne à droite. Après, je tourne à droite, oui. Et je pourrais maintenant, je vais remonter. Non, il faut que je tourne à gauche. Bah, de toute façon, la prochaine benne, elle pourra venir dans le 34. Mais la deuxième benne, elle pourra aller direct au 76. Hein. Bon, moi, je reviens dans le champ et je reviendrai la prochaine benne dans l'autre champ. Et moi, je pars directement au 76. Ouais. Ça marche, Laurent. Bientôt. Bisous. Bonne soirée à toi. Salut Laurent, merci d'être passé. Boujoute, boujoute. Pour les chemins. Ah, un Griffin Gaming là-bas. Ouais. Merci aux 38 pouces les amis, ça fait très très chaud au cœur. Est-ce qu'on vise les 40 ce soir les amis? On vise les 50 ce soir. Ah. Je serais couché avant les 50, mais. Moi, oh, je vais pas faire tard non plus, hein. Je travaille aussi demain. Hein. 5 heures debout. Oh, 6 heures, moi, cette demain. 6 heures. Il reste quoi, un champ aussi après? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Sinon, on pourra avancer d'une journée encore. Qu'il repasse juste jour après. Oui, on peut passer au deuxième jour. Oui. Mais c'est après, pas. Dans les deux dernières, je fais des pois et dans l'autre, je fais du soja. Alors. Putain, va falloir que je passe à ma ferme avant. Faut que j'aille faire le plein de mon gasoil. Bah prends la mienne. Ok, bah je sais pas si je vais y arriver. Moi aussi, t'es pas dans le rouge, t'es dans l'orange. Bon t'avances Maurice ou... Comment ça se passe? Ouais, il y a moins de remonte sur le premier championnat fait quand même. Même si le champ est plus petit, ouais. Qu'est-ce que t'as fait Flo? Ou qu'est-ce que t'as pas fait justement? Bah j'ai pas mis d'engrais. Bah ouais, voilà. Mais sur l'autre non plus, mais celui-là est moitié moins grand, hein, attention. Hein. La semaine prochaine, j'essaierai de vous pondre un épisode tourné le vendredi après-midi. Faut que je le tourne et que je le monte dans la foulée. J'irai de le tourner le vendredi et de vous sortir ça le dimanche. Il y aura les deux lives habituels. De quoi? Oh
Ah oui, il fait un hectare de moins. merde. Ah, du coup, ça te fait, oui, tu veux. Alors, sileuse pour je sais pas combien d'hectares, là. Bah non, c'est okay. À l'heure, là. Ah oui, c'est à l'heure, hein, sileuse. Putain, ça te coûte le bout du cul. Moi aussi, j'arrive à ta ferme. Hey, petit chat, comment tu vas? Salut, petit chat. Jérém, bonsoir à toi. Team Friand. Friand, il est con, oui. Ça manque un peu de lumière dans ta ferme, Flo. Bah, il fait nuit, il fait nuit. T'as pas mis des spots de foot? Non. Vas-y, passe devant, Cédric. Ah, merde. Et toi, bah, ça va bien, Jérém. Merci. Ah, il y avait un Valtra. Oh, c'est pas grave. Bon, moi, je suis en panne. Et où t'es? C'est où? Avance, avance. Ah, je dirais pas qu'on avance jusqu'à 8h30 du matin. Pourquoi faire? Bah, pour qu'il fasse jour. Pourquoi faire? Bon, les animaux? Okay. Moi, mes animaux, oui. Bah. Ça manque de loup miel. Oui, ça manque de loup miel. Et d'hélicoptère aussi. D'hélicoptère. Un ouvrier qui est bloqué, Flo. Bah, c'est pas Cédric, hein. Ouais, c'est l'autre. Attends, je... Et où sa cuve va diadèle, à lui, dans sa ferme? Elle est près du portail. Très principal. Coup de latte. Je l'ai senti, celui-là. Ça, c'est son trigger d'atelier. À gauche. À gauche, faut que je prenne à gauche. Mais... Tu sais que t'avais vidé mon grain l'autre jour. Il est ton... encore. Ah oui, là. On a acheté du gasoil aussi? Oui, il y en a dedans, normalement. Ah. Je t'en prends beaucoup. Hein. J'ai fait un quart de plein. Oui, non, c'est pour ça, tu peux prendre. Hein. Tu m'aides. Hein. Je peux bien te... Alors, du coup, ces messieurs m'ont dit champ 76. 75. Bah, c'est le même que l'autre. Hein. C'est ça. Ouais, alors, c'est pas que j'aime pas travailler de nuit. C'est juste que pour le live, on va peut-être travailler de jour. Et là, c'est vraiment dégueulasse pour eux. Merci. Si je connaissais le con qui avait mis des clôtures partout. Il y a un jour, je fais une map, il n'y aura pas de clôture, c'est moi qui vous le dis. Adieu. Ça pique la location. Ah, c'est la location de champ, ça. Autre. Désolé, j'ai regardé mes animaux. Il y a des animaux ou les missions? Mais les deux, mais il n'y en a pas de mission. Ah. Merci, petit chat. Il y en a un qui va repayer le pare-choc de l'ensileuse, hein, parce que... On va pouvoir s'arrêter là en temps. Voilà. Du coup, ça se passe comment pour les heures? Parce que j'ai pas passé 12 heures. Hein. Non, mais voilà, bah, ça fait 2 heures que l'ensileuse elle tourne et 2 heures que Cédric y tourne. Ah, il y a un arbre. Merde. Donc, du coup, je peux éteindre mes feux. Voilà. Merci aux 40 pouces, les amis. Merci beaucoup. Vous êtes au rendez-vous ce soir. C'est cool, c'est cool. Du coup, toujours pas de missions qui sont apparues. Ah, d'accord, non. Non. Ah, je pense que quand on va passer au mois de juin, les missions elles vont pleuvoir, là. Ah, mais faudrait qu'il y en ait un qui nous pique pas tout. Et puis moi, je suis pas là du week-end. Moi non plus.
Donc du coup de toute façon la partie elle avancera pas. Non. Ah, pas le temps de... Oui, donc, oui, donc faut lui dire partie avancera pas avant lundi. Si t'es là lundi en plus. Oui, normalement, oui. Je crois peut-être un live lundi après-midi. Peut-être. Peut-être. Sur celle-là? Ouais. Bon bah activez vos cloches chez Gifle d'1.4 pour lundi après-midi les amis. Comment t'as assez de place pour Famitour hein. Ah non, toujours pas. Non, toujours pas. Alors dans celui-là, le rendement est à chier. Ah ouais? Ça dépend de la terre à mon avis. C'est quoi comme terre que t'as là? Ah j'en sais rien. Okay. Non mais là c'est pareil, j'ai pas mis d'engrais donc... pH c'est 0. Ah bah bravo. Ah je pense que mes champs ils vont donner. Avec tout ce que j'ai fait entretenu là. Ça va donner. Je vais pas mettre de chaud alors que j'ai pas de sous. Ça coûte rien la chaux. Ah mais faut la sortir l'argent, faut sortir la trésorerie quand même. Oui, mais il faut savoir investir pour pouvoir gagner de l'argent après. Là, une phrase de papy, c'est une phrase papy que je sors. Dédicace à papy. Faut que je tourne par là, je pense. Toujours même. Prenez le chemin. Hey Nightbot, t'arrêtes de spammer? Je peux venir à ton cul ou pas, Flo? Oui. Mais de l'autre côté à droite. J'ai regardé dans quel sens vous tourniez. C'est stylé quand on cible la petite destruction des chaumes. Là. Bah, c'est pareil avec la moissonneuse. Hein. Non, ça fait stylé. Ouais, c'est propre. Ça, c'est grâce à Cédric. Hein. Super. Je suis bien. Je suis juste là, regarde. Ah bah oui, j'ai sorti. Ah bah oui. Oui, juste derrière, oui. Ah, pas de frein de peine, j'ai cassé les freins. Y a plus de plaquettes. Ah bah t'inquiète, avec la mise à jour qui va arriver du Fendt, tu pourras le remplacer. La mise à jour du Fendt. Bah parce que dans la liste des updates de mode sur le mode up, y a un update de ton Fendt. D'accord. Mais bon, on le remplacera, on lui remettra les heures, l'usure et tout. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous rajouter dessus, parce qu'il est déjà pas mal. Hein. Je sais pas. Les bonhommes Michelin. Oh non, non, ça sert strictement à rien, ça. C'est clair. Bah de si, les bonhommes Michelin sur les tracteurs. Ah ouais. Y'a que Papy qui les met. Vu la team qui fait, ils mettront pas de fioritures. Tu fais quoi là, tu refais un tour? Non, je refais un tour parce que tout à l'heure, dans l'autre champ, j'ai voulu faire que deux tours et... Je pouvais pas manœuvrer correctement okay. En bout de champ, donc du coup... Là, c'est vrai qu'il aura jamais fait autant d'ensilage qu'avec nous, dit. Bah non, parce que tu vois, en partie solo, je fais beaucoup d'enrubanés, parce que l'ensilage tout seul, c'est pas très évident. Surtout avec l'intelligence magnifique des ouvriers de farming, je veux dire, c'est... Ouais. Ou sinon je me prends la crone, la BX cargo quoi. Ouais, c'est ce que je faisais aussi. Il a mis de la poule à... De quoi? Il a mis de la boue dans le milieu du chemin. Non, mais... Le chemin en face du 55 quand tu veux croiser? Non, le 47-52 là. De toute façon, partout, j'ai remarqué, partout il a des chances, il y a un chemin en terre, il y a de la boue à un endroit donné. Bah, tant qu'il en met pas de trop, ça va.
La boue c'est bien, mais c'est chiant quoi. Après c'est sûr ça donne un truc réaliste, mais après que les chemins avec les chemins en terre, il y a de la boue qui spawn quand il pleuve en fait. Ouais, il faudrait être bien. Ouais. Comme dans les champs quoi. Bah ouais, mais en fait c'est pas possible. En fait. Oui, parce que c'est pas le même fields ou un truc comme ça, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est du field en fait que la boue elle apparaît dans les champs. En fait. Oh, bah, nickel. Il y a du fumier près de la maison. Écoute, Flo. Tu touches à ça, t'es mort. Touché. T'en prends un godet de temps en temps, ça se voit pas trop. Bon, alors, puisque c'est comme ça, l'entretien de l'ensileuse sera à faire juste après cet ensilage. Et vous allez payer chacun 10 000 euros. C'est tout ? Bah, Flo pour le pare-choc arrière, et puis, puis Agrissime pour le pare-choc avant. Et toi, ce sera pour la part de coupe. Non, moi, je suis ouvrier, aucune responsabilité ne peut m'être... Moi, je suis ouvrier de Flo ce soir. Bah non, t'es mon collègue, On s'entraide. C'est ça qui est beau sur la série-là, c'est qu'on s'entraide. On se vend des trucs. On partage. Bah moi, je sais, quand j'aurai pas mal de céréales, je pense que Flo, il aura peut-être en racheter pas mal. Avec ses cochons. Ouais, je sais pas, j'essaye d'être autonome, mais peut-être, ouais. Bon, là-bas, on va faire des lignes. Merde, je suis parti par là. Des lignes on fait des lignes d'XML, c'est ça? Ouais, si tu veux. Non, pas ce soir, non. Bah si, Flo. De toute façon, si tu veux relancer ta partie solo, va falloir que tu fasses des lignes d'XML. Hein. Ah, je vais faire copier-coller. Oui, si t'as supprimé la même chose, oui. Eh ben non. Mais je pense que tu pourrais reprendre la version de la map là, Flo. Et ping! Allez, sur le techo. Et on... le 3, il est en panne. Et en... Et en... Ah bah non, parce que papy l'a modifié la ferme des moutons, donc ça irait plus avec tes bâtiments, toi. Bah je pourrais... Bah si, parce que j'ai rien de posé à la même place. Donc c'est pas grave. Oh. Parce que du coup, sachant que tu pourrais, je pourrais essayer avec ta sauvegarde en retouchant un peu, remettre les bâtiments, tes vaches, tout ça que t'as déjà. Bah si t'es motivé, tu vas sur mon serveur. Ah pas ce soir. Hein, ça... Non non. Du coup, faut que j'appelle papy, là. Le tracteur est sur le déco là. Ah y a que le tracteur parce qu'il a bien les droites. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Oh bah, le timon doit être dans un bel état, quoi. Il doit être à moitié vrillé sur le côté. J'espère que t'es sur le retour, Flo. Oui, je suis là. Ouais, je vais t'arriver au bon moment, normalement. Ouais, normalement, c'est bon. J'aurais pas besoin de revenir, hein. Je peux rentrer à ma ferme. Oui. Tu peux passer un coup de jet si tu veux sur le tracteur? Non. Oh. Pas besoin. Tu sais, faudrait qu'on achète une lame à la... à la Kuma. Ah, pour les ainsi là? Ouais. Je vais où? À gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Si, encore 14 personnes actuellement sur le live. Merci à vous d'être resté et de continuer à suivre la chaîne d'Agressing Gaming, c'est clair, le big boss de YouTube. Non. Non. Non, non, c'est pas mon métier. Non, c'est pas mon métier. Aussi, arrête avec ton salaire que tu fais, attends. Ouais, bah oui, tout le monde le sait. Chut, arrêtez, oh, arrêtez de dire que je viens de m'acheter une villa de 150 mètres carrés par chambre. Voilà. Non mais voyons.
10 chambres, faites le calcul. Ah oui, c'est sans la cuisine qui fait 280 mètres carrés. Oui, tout à fait. Hein. Ah bah non. Qui le garage où on peut stocker au moins 10 bus. C'est tout, le mien en fait 15. Ah. Avant j'ai plus petite chambre, 10 mètres carrés. Sans compter la piscine qui fait au moins 5 hectares. Ah oui. Bah, oui. C'est pas un océan, t'es sûr. Eh hey, mais Flo, si les chambres font 10 mètres carrés et que le garage, tu peux mettre 15 bus, va habiter dans le garage. Hein. T'y crois? Ah ouais, ouais. Non, non mais franchement je. Non puis je savais pas trop quoi m'acheter comme voiture, j'étais chez BM, je savais pas quoi acheter, du coup j'ai acheté une concession BM. Voilà. Voilà. Ah il me saoule à être bloqué, putain. C'est la clôture de merde. YouTube nous paye tellement à la vue que je peux me payer des PC, des PC de NASA tous les jours. De NASA carrément? Ah, de NASA, bah oui. Non, non, bah non, dis-le quand même, que même la NASA en est jaloux, quoi. Et voilà, oui, je vous ai pas le dit. D'ailleurs, Cédric, t'as reçu ton exemplaire que je t'ai fait envoyer? Oui, parfait, parfait, parfait. Bon, dès que je l'allume, ça fait sauter les plombs, mais... Tout à fait, Stéphane. T'as encore en plomb. T'as un compteur Limki, Cédric? Oui. C'est pour ça, je cherche pas. Il faut te le faire à l'appartement. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais pas racheter la boîte de ton patron, Cédric. Comme ça, t'auras tout ouais. Tes... Ouais. Je te mets patron, dedans. Oh, bah en plus, il en demande pas forcément cher. Hein. Comme ça, je te nomme directeur. 200 000 euros, c'est rien pour toi. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, ouais. Oh, c'est comme si j'avais acheté une baguette de pain, hein. Dire, c'est pareil. Hein. Bah, avec tes 15 bus, là, c'est clair. Il en vaut que 200 000 balles, c'est tout? Eh oui. Ah, je suis surpris, toi, j'aurais mis au moins 400-500, mais non. Ouais. Bah, si j'ai mis sur la table, il va être content, mais... Ah bah oui, bah, il va te dire oui tout de suite, parce que, tu sais, vu le matériel qu'il revend avec l'entreprise... Le pire, si c'est le bonhomme. Si je vends un foie, je suis sûr que... Enfin, un foie, mon foie, parce que j'en ai pas plusieurs. Je suis sûr que ça vaut plus cher que le GTB qu'on a au dépôt, quoi. D'accord. C'est rassurant. Tu crois hein. Que l'autre Cédric, faut que je le prenne là. Je sais pas. T'es pas obligé, hein. Honnêtement. Allez, je le prends, je le mets en pause syndicale toute la journée. Ah, parfait. Ah, et tu le laisses brûler des tracteurs et des tondeuses de temps en temps. Pour que il s'amuse un peu. Ce sera un mécanicien. Ah, tu vois, c'est pas drôle cette histoire de micro-tracteur qui a brûlé à moitié, quoi. Parce que comme il a brûlé qu'à moitié, on peut s'en servir que. Il va le faire réparer et du coup, en fait. Et en fait, on n'aura pas de nouveau micro-tracteur. Ah, du coup, il aurait fallu que vous le rallumiez, en fait. Bah, ouais. Il aurait fallu qu'on l'éteigne pas, surtout. Un de ces quatre aveugles, tu vas entendre parler qu'il y a eu un incendie. Ils ont brûlé tout un quartier. Bah, moi, je mettrais bien le feu au dépôt, quoi, mais bon. Comment dire? Voilà. Sur ces bonnes paroles, nous arrivons à la ferme de Flo. Il y a du fumier au large. Mais je pense que ça fait comme toi, ça bug. D'accord. 30 000. Moi, je sais qu'il a fallu que j'avide une fois pour plus que ça bug. Hein. Bah c'est pour ça, je pense qu'il va falloir que j'arrive. Regarde, il y a encore de l'herbe dans un de tes bâtiments, Flo. Oui, oui, parce que l'herbe, comment dire, elle a poussé dans le béton. Ah, elle a poussé dans le béton. Je croyais que c'était ta petite culture de chanvre illégale que tu planquais sous le bâtiment. Non, c'est devant la porte d'entrée. D'accord.
Du coup, toujours pas de contre, hein, je vous le dis clairement. Ah bah non. Ou sinon, tu coupes les serveurs. Non, mais non, papy, si tu lui dis que bah t'as pas fait les champs et que t'es pas là avant lundi. Parce que t'auras pas du tout le temps de ton week-end. Non, pas du tout. Ouais, moi, c'est pareil. Ou peut-être demain soir, je sais pas quelle heure, mais... Comme je retravaille dimanche... Ça marche, Steph. Bonne soirée à toi, bisous. Merci, Cédric. Bisous, Steph. Et l'ensilage est fini. Ouais. Bon, du coup, je peux repasser dans ma ferme. Alors là, ce qu'on va faire, c'est du temps que je suis dans la ferme de Flo, je vais m'en profiter pour m'enlever mes droits. Ouais. Hop, comme ça, je repasse dans la ferme de la Team ASG. Qui n'est plus la ferme de la Team ASG, faut que je la renomme d'ailleurs. La ferme du Normand, je retire le statut de sous-traitant. Ce qu'on fait, c'est que on lui transfère de l'argent, on lui donne... Pour les bottes. T'as eu les souffles? Non, t'as pas eu les... T'as pas eu les souffles? Non. Adieu. Ah. Le serveur il bug, j'arrive pas à te transférer de la thune. Ah, Cédric qui a quitté. Moi aussi. On s'est fait péter. Cédric, t'es encore parmi nous? Bah je sais pas, vous m'entendez ou pas? Oui. Aucune connexion multijoueur établie, moi. Bah oui, non mais moi je suis resté planté pendant 15 secondes dans la l'ensileuse. Ah puis moi j'arrivais plus à transférer de l'argent. L'année prochaine, hein. Du coup on va profiter pour faire le vote. Je perds mon semoir ou ma planteuse. Donc on va voir ce qu'on fait, ce qu'on se sépare. Personnellement, c'est la planteuse, je pense, qui va dégager. Il a une Akuma. Bah c'est pour ça. C'est réfléchi. Faut que la carte malchance soit malchance, mais qu'elle soit pas non plus trop malchance. Ah, mais ce que vous savez pas, c'est que à la Akuma, ils ont quand même, les voleurs, ils ont carrément tout enlevé, quoi. Il n'y a plus aucun matériel, quoi. T'en as d'autres, déconne. Ils sont venus avec un chalutier, ils ont tout embarqué, quoi. Un chalutier, il n'y a pas d'eau. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis. À part une mare. Merci, monsieur. Bah, alors rien, c'est moi qui te remercie. Ah bah l'ensileuse, elle est toute seule coincée dans l'arbre. Oui, de toute façon, vu comme ça, elle est buggée, à mon avis. Elle avance encore. Crois-tu qu'il l'aurait éteint? Même pas. Bah non, Cédric, il va revenir, il va la ramener à la Cuba. Bah oui. Exactement. Je pense que la benne, je vais la laisser comme ça, parce que la saison des moissons arrive. Et du coup, bah ça va être... Et le coup, on va faire disparaître la planteuse. Salut cousin! Pas que l'accent de PD. Moins que toi. C'est ça. Voilà, on m'a fait l'ensilage chez Monsieur Flo. Voilà, c'est cool. Moi, ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, les premiers ensilages. On va tourner gland rubané pour l'instant. Mes champs de maïs, je vais faire cette année, j'en ai un, il va me servir en grain. Et puis, on fera, c'est dès que ah non, le maïs grain, on le récolte tard, hein, c'est ça? Novembre, décembre, ça dépend quand tu le sèmes. Mmh. J'aurai peut-être le temps de replanter un coup d'herbe pour avoir de l'herbe au printemps, et puis comme ça, bah... Oh, le cheater. Non, je rigole. Alors, non, un petit coup d'herbe au printemps, comme ça, hop, on se fait une petite coupe dans le rubané. Derrière, on replante direct du soja ou des trucs comme ça dedans. Parce que ouais, je vais faire de la rotation de culture. Bon, compliqué la vie. Je me fasse un bloc-notes, d'ailleurs. Karcher, mais bien sûr, j'ai ici mon case-là. D'ailleurs, mes animaux... 254 000 litres. Tout ? Ouais.
Ah putain. Mes animaux. Plus en herbe que... Ah non, j'en ai fait... J'ai combien en herbe? Ah non, du coup, elles ont pas augmenté les vaches. Non, non, elles ont pas augmenté. Par contre, niveau bouffe, on est pas mal. Niveau lait, on est déjà 97 000, les amis. 97 000 de lait, les amis. Ça fait énorme. J'ai 500 millilitres de... d'ensilage en tout, là. Oh la vache, c'est bon, ça. Un demi-million. Un demi-million. De litres d'ensilage. Du coup, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que la planteuse, elle va... C'est la planteuse qui va dégager dans mon truc, planteuse. Attention, j'arrive. Ah oui, 36 000 balles quand même la planteuse, hein. Ah oui, non, 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 non. Et le semoir, il vaut combien? Ah bah oui, en plus c'est une planteuse comme ça, bah oui. Ah non, c'est le semoir qui va dégager, hein. Voilà. Allez, voilà, c'est le semoir qui dégage. Quand tu te fais voler, tu te fais rembourser par l'assurance, hein. Oui, c'est pour ça que je garde l'argent. J'étais remboursé par la valeur qui valait actuellement 10,965 euros. Voilà. Oui, mais bon, tu sais que l'assurance, il te rembourse pas le jour du vol, quoi. Non, parce qu'il vérifie d'abord si c'est pas toi qui a été le caché dans un mot, quoi. Oui, non, mais de toute façon, je comptais pas être remboursé. Je m'enlève l'argent que... Non, mais sérieusement, je comptais pas être remboursé. Il y a eu un vol, il y a eu un vol, voilà. Du coup, ça fait une carte encore qui est enlevée. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas qui c'est qui a pondu cette carte, mais je le remercie pas. Merci, Mika. Ah. Ah, t'as vu, depuis qu'on a enlevé le manuel discharge, les outils, quand on revient sur la partie, il y a encore les... Et quand il y a encore le tout ce qu'il faut, le cardan et tout ça sont encore mis dessus quand on revient sur la partie. Ils sont toujours détachés. Non. Si si. Ah bah pas moi, regarde. Bah moi si, en tout cas. Ah. Petit Benjirax. Le petit conseil de Cédric de ça, c'est lui qui me l'avait conseillé. Ouais, j'en suis content. Elle est propre. Bah c'est... En plus, c'est la même team qu'on fait les cultivateurs Gérard. Ah, j'ai eu un prix quand j'étais concession. Je lui ai dit, je te prends une benne et puis je te prends un cultier. Mais non, c'est pas notre GPS, c'est juste mettre l'ouvrier. Voilà, voilà, c'était un bon petit live pour le moment. Je pense qu'on va tirer encore une petite demi-heure. Bah ça dépend ce que j'ai à faire, parce que si j'ai rien à faire, ça va devenir compliqué. Ou alors on ira aider un coup de main à Flo. Tu vas faire du SMI? Du SMI. Non, sinon je peux déchaumer dans les autres champs. Bon, t'as bon. Pourquoi tu veux pas voler? D'accord. Bon, y a pas de semoir à la Cuma. Non. Mon papy va te prêter le sien. Non, non. Non, mais on va voir ce qu'on a en stock. Oh, en occasion. Ah, ah peut-être a... un super. Non, non, il n'y a rien en occasion pour l'instant. Il y a un Valtra. Il y a une machine. Bon, ça marche. Bisous, Céd, le bonjour, madame. Il y a combien vous... Ce mort, c'est ici. Il est en 4 mètres, on pourrait peut-être se racheter le petit des 9-4000. Pour être sympa. Ça marche. Il faut combien de chevaux? Ah, on pourrait racheter le petit... Ouais, il en prend mettre le Pottinger aussi. Ouais. Ouais, on pourrait peut-être se racheter le petit... Avec une extension. Ça. 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 Ouais, ça peut être sympa, j'aime bien. Il y en aurait pour 20. Ça marche. Pardon. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? T'es éternué ou je sais pas quoi. Il y en aurait pour 21 000 balles. Ouais, à voir quand on en aura besoin. On se rachète ça. Dans la Cuma, Cédric, là ou pas? Ouais. Dans la ferme de la Cuma? Non, attends, je suis avec l'antileuse là.
Du coup, les animaux ont assez à bouffer. On va ranger les big bags de chaud qui traînent. Je remercie encore Mika pour le mod qu'il nous a transmis. Du coup, niveleuse. Merci beaucoup. Pas le petit. Ma masse, elle est là. Elle se met dans le sens là, c'est très bien. Par contre, je trouve que les œufs, ils se produisent pas beaucoup sur la map là. Je sais pas si c'est un truc qui change ou pas, ça. Hey, merveilleux. On te reverrai, je... C'est qu'il a mis comme solde... J'ai ça les amis. Mon petit local phytosanitaire. Vachement aux normes. Ah oui, à donf. Bah les palettes, c'est pas grave. Les Oui. sacs. Ou les petits bugs de chaud, je suis sûr quand même, vu que j'ai recréé son là. Du coup, c'est vrai qu'il a travaillé 3 heures pour la Kuma, c'est ça? Voilà. 1500 balles. C'est qu'il a travaillé pour nous pour 1500 euros de l'heure. Oui, et puis je vais vous annoncer la douloureuse dans pas longtemps. Quelle douloureuse. Oh, Bah, la réparation de l'ensileuse, c'est bien beau de me foncer dedans pendant l'ensilage, mais vous croyez quoi? Non. Pas moi, c'était pas moi qui prenais l'ensileuse. Du coup, Flo, faut te retirer un champ ou pas là? Me retirer un champ. T'as pas dit que tu voulais retirer un champ? Ah si, mais attends, je tasse mon silo déjà. J'en ai pour toute l'après-midi, toute la soirée, je crois. T'es dans le Valtra, Cédric? Dans le Valtra. Toi, tu veux venir, Romain, pour 500 euros de l'heure? Moi, j'en ai. Tu veux que je tasse ton silo? Tu veux que... Oula! C'est Non, pas je vais bête. tester. Tu veux que j'aille dans la ferme du Kuma pour, de la Kuma pour verser le salaire de Cédric? Non, non, c'est bon, je vais m'en occuper. Mais tu peux prendre un tracteur à papy avec son charrue décompacteur. S'il te plaît, mon petit Cédric. Oui, je peux. Et la bourrée, le champ 12 et le champ 10. Alors attends. Par contre, t'as les droits sur la ferme à papier ou pas? Oui, normalement. Oui, je suis dans son tracteur. Ah ouais. Pourquoi il m'a éteint le tracteur? Hop. Ça c'est fait, on recule les amis, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Et on va ranger le tractopelle. Là, quelle manœuvre en marche arrière, hop là, c'est magnifique. Ok, et on attend le tractopelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce que les champs ont poussé? Non. Non, fais chier. Moi, je suis en stand-by. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire, les amis. On va prendre le fond.
Et on va commencer à aller déchaumer un champ de petits flots. Comme si j'avais pris ta mère. Et on est parti les gars, on va aider le petit Flo. Du coup tu peux m'en mettre tes droits Flo. Oui. Je vais faire un des champs qu'on a... L'ouvrier est sur lequel là. Le premier qu'on a suivi. Ok, je vais faire un des autres. Oh putain, il est pas lui. Il est dans le 12, 11, 12 je vois. Dans le 11 c'est le mien Flo. Bah du coup il est dans le 10. Allez c'est parti, on va aller déchaumer. Pour Flo, on va finir le live là-dessus. Ce sera très bien. Comme dans la vraie vie quoi. On en seal pour le copain, puis bah après on va faire autre chose. Bah voilà. Pas de... En général, on fait une bonne bouffe. Mais... Ouais. Ah Cédric, t'as bien entendu. En général, on fait une bonne bouffe. Oui, non, mais j'allais le dire de toute façon. Donc... Ah moi, on attend le cuistot. C'était pas Papy qui devait cuisiner pour nous, Flo. C'est ça, non Il devait commander du coup. Tu m'as dit quoi, 10-12, Flo? Oui, t'as la bande de bande enherbée entre deux là. 10-12, ok. Je vais me serrer parce qu'il y a. C'est vrai qu'il arrive là. En plus, il est en rouge jumelé. Merci, très cher. Mais de rien. Là, t'avais la priorité, je pouvais pas lutter. Hein. Non, je sais plus. Non, c'était au-dessus qu'il fallait. C'était le 36. Une poule intéressant. Qu'est-ce que tu fais à la poule? Rien, j'ai rien fait, je lui ai roulé dessus. Impeccable. On va manger une poule ou pas comme ça. Ouais, sauf que c'est un 2724 qui roule sur une poule. Il y a pas grand chose à manger quoi. Ah si, justement, c'est pour faire les nuggets de McDo avec les os et tout. Ça, c'est... McDo, c'est quoi ça? Ça existe? Le plus grand restaurant gastronomique 5 étoiles de France. Ah oui! Ah, le truc américain là? Oui! D'accord, ouais. Comme moi, ça me fait drôlement du bien d'être avec vous un soir là. Ça change. Ouais. Alors, du coup, Flo, je suis arrivé au 12. Et il me dit la bande enherbée. Mmh. Entre le 10 et le 12. Ok. Entre le 10 et le 12. Ah ouais, ça là. Ok.
Du coup, t'es quoi? T'es à la traite demain, Flo? Je suis ton patron. Oui. Il va toucher de la mamelle. Yeah. De la ASMR, parce que c'est de la musique toute douce là qui reste actuellement sur le live. Grâce à nous, vous allez bien vous endormir. Écoutez notre voix, lente et suave. Ok. Après vos oreilles. ouais. Merci Romain. Il est pas au lit le vieux, il est pas des pas fermés. Non, non, il est pas au lit. Ah, de toute façon, il fait un. Il fait un hammam son appart à cette heure-ci. Fait porte ouverte. Merci aux 44 pouces, les amis, merci beaucoup. Toujours pas d'air. Oh, mais viens habiter dans les Vosges, je veux un dieu romain. En même temps, Flo, mes tracteurs, je peux pas les faire évoluer, ils sont déjà au taquet. Donc du coup, je suis obligé d'en racheter un. C'est tout ce que tu voulais, Flo? Oui. Oui. Et dit, viens maison, 23, 24, on est pas mal. Mais non. Au 34, tu sais qu'il y a David, sur le côté, t'as une bande d'herbe près de la clôture. Il me dit au 34. Où je suis en train de déchemer. Ah, je pense qu'au live de mardi, les amis, il y aura les premières moissons qui vont arriver. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. C'est dans ce qu'on a planté. Dans ce qu'on a planté, est-ce qu'on a quelque chose qui va se moissonner d'ici peu? Bah, l'orge. J'ai pas d'orge comme ça. J'ai. Il y a du seigle qui va arriver en juin. Bon, ça dépend. Ça dépend comment tu le quand tu l'as semé. J'ai semé au tout début de la fenêtre, je crois. Bah, normalement, oui. Mais... Ouais, bon, on verra. Hein. On verra ce qui va. Ah, puis du poids. Du poids qui va se moissonner là, normalement, bientôt aussi. Hey Thomas, comment tu vas? Salut Thomas. Non, il va y avoir des choses. De toute façon, là, il va y avoir du foin à faire. On va avoir des... Tu vas avoir de la truc à faire. Là. Il y aura bientôt les premières poules aussi à amener à l'abattoir. Thomas est arrivé et il a mis le 45e pouce. Merci à toi, Thomas. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Ça. Bah écoute, si papy saura pas quoi faire, il va tasser mon silo. Tu lui enverras un doux message demain matin. Oh bien Thomas. Papy, tu peux me tasser mon silo, s'il te plaît. Non, non, c'est lui qui voit, s'il veut, il le fait, il le fait pas, il le fait pas, c'est pas grave. Là, c'est la dernière journée pour semer tout ce que j'ai à semer, hein. C'est le bordel. Ah, c'est pour ça que je déchaume pour t'avancer.
Après, ça saurait me servir du procide. Si j'avais une fenêtre dans le week-end, je viendrais te le faire, mais... Ah ouais, je te bats. Et vu que le procide, j'en m'en sers pas encore. Comment vont les enfants et ta femme, Thomas? Tu vois, toi, tu vas bientôt moissonner tes pois et moi, je les ai même pas encore semés. Bah, mes pois, ils sont... D'abord, je vais essayer de faire y aller. En stade, je suis... Il s'est court, en plus, au stade des pois. Mais je sais bien. Ah non, tu vois, je vais seulement les récolter en juillet, moi. Ils vont prendre en 3... En 3... juillet... Non, je vais seulement les récolter en août, moi. En août seulement, parce qu'ils vont passer en juin... Il passe au 3 sur 4. En juillet, il passe au 4 sur 4 et récolte en août. En août, le pois. Donc toi, tu l'auras en septembre. Ouf, 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 ouf. Merde, c'est Mais il y a mauvais. Cédric qui est dans le même champ que moi là, juste derrière moi. Il est là. Allez, coucou Céd. Hey, bonjour. Salut Poilu. Nickel, c'est cool Thomas. Oh. Ouch! Excusez-moi. Oh la vache! Y'a pas un micro. Pour une fois que c'est toi qui le fais. Ah, tu sais que le Fendt il a déjà 43h07 et je l'avais mis à 22h quand je l'ai acheté. Bah, je suis à 15h05 sur mon Valtra. C'est ouf, hein. Ah bah la sauvegarde elle a déjà pris des heures. Hein. J'ai pas regardé combien elle a pris mais... Bon, le flot qui vient se mettre. Le plafond de caisse. Pas de jeu, les gars. Mais en plus t'as une herse, tu pourras se mettre directement. Réaliste, c'est ça que tu voulais que je fasse, Lou? Moi, ouais, tout à fait. Ma vraie vie, tu herses pas, tu sèmes pas tout seul comme ça. Ah oui, je sais bien. J'espère que sur la mise à jour du Fendt, ils vont étager un peu mieux la boîte. Ou qu'ils vont nous mettre une option vario quand même. Après, commence à être usé. Le culti commence à être usé aussi. Tu peux refaire un peu la Cédric à la carte là? Où ça? C'est au début là, s'il te plaît. Non, c'est pas ça que je voulais. Sinon, la largeur, c'est bien. Nightbot, tu t'es calme. Nightbot pisse pas beaucoup ce soir. D'ailleurs, je remercie encore nos partenaires de la chaîne, que ce soit Instant Gaming et Gportal. Je remercie énormément. Ouais, c'est ça, Matt. Il est en 300 ou à fond, 312. Il va bien, hein?
Il a le simplicité, il faut que je le rajoute sur le serveur parce qu'on avait eu des bugs, mais c'était pas dû à ça du coup. Il va super bien. Ah, c'est pas beau ça, trois qui travaillent en même temps. Ah si, c'est beau. Bon, ça te va comme ça, Flo, ou tu veux que je taille les arbres, Non, c'est bon, t'inquiète, Ah merci. ça va. Hein. Ça fait 500 euros de plus, ça fait 2000 euros la soirée, Cédric. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Ah c'est ça Matt. Oh, même pour le travail de champ, hein, pour les outils que j'ai pour l'instant, il va bien. Hein. Après c'est sûr que quand on va passer sur du 5-6 mètres, ça va devenir compliqué quoi. Moi, je pense que le prochain que je vais acheter, ce sera un 500. Un 500, je passerai peut-être sur un petit 145 CVX ou une connerie comme ça en case. Une gamme. On va rester dans la même marque, mais on va évoluer en gamme. Ça, je pourrais mettre le GPS avec les nouveaux tracteurs. Oh, il est bien avec ses Valtra. J'en ai pas mis sur le serveur encore. Il y a une grande chance qu'il passe vert les prochains. Après, voilà, je veux dire, pour l'instant, ce qui est bien, c'est que tous les mods qu'on remet sur le serveur au fur et à mesure, c'est des mods qui servent. C'est pas des on les met au cas où. Mais non, je sais pas, je pensais tout à l'heure, je pensais à quoi comme marque tout à l'heure. Je pense que je peux lire chez Kaz, je pense. Kubota? Bah, il y a pas le DLC. J'ai pas le DLC, bon, je vais l'acheter, je vais demander à Instant Gaming qui me file une clé. Ah non, je sais à qui je vais demander une clé. À la personne qui m'en a fait gagner une et qui me les a jamais envoyées. Voilà. Bah, t'as pas signalé sa chaîne pour publicité mensongère? Si. Ah si, si, je l'ai fait. Il n'y a plus de musique, c'est quoi ce bordel? Ça comme un goré là, ça commence à te fatiguer. Voilà, puis moi je vais chez dans la ferme à Flo, puis en fait la ferme à papy elle était juste à côté. Ah bah Bon, c'est pas oui. grave, c'est pas grave, le gasoil c'est gratuit. 2000, 3000. Cédric. Numéro, c'est hein? Je De peux quoi? plus. Pour sa soirée. La Kuma lui doit 2500 et toi tu lui dis 1500 et toi tu lui dois 500. Bon, bah, j'ai fait un virement de 3000, c'est content, non? Oh, magnifique! Bah, en même temps, on est en heure de nuit, quoi. Enfin, pas sur le serveur, Sensitive mais. le nom de map, il valide vraiment n'importe quel mode. On parle de la campagne bretonne. Oh non. Je sais pas, moi elle m'intéresse pas. J'irai pas la voir. Comme ça, je serais quitte de faire un mauvais ami, puis dire un mauvais avis, puis me faire des. Dire des mauvaises choses. Mais clairement, elle m'intéresse pas, donc. Je sais qu'elle est pleine de collisions, et les maps qui sont pleines de collisions, j'aime pas ça. Rien que j'aille dessus. Mais avance à prendre de reculer, connard. Comment? On va pas où t'es. Les coups de satan que j'ai pris là. Moi j'ai rien vu.
Non, mais j'ai eu une montée d'un seul coup de. Sur mon retour OBS de montée de kilobits. C'est une batteuse sans cabine. C'est ça. Après, ceux qui sont sur PC, c'est bien parce qu'ils ont les traits Sony, donc ils peuvent passer partout. Mais sur console, ils les ont pas. En tout Il y a cas, que moi moi. que les seuls. En tout cas, moi, je suis tellement content du nouveau DLC qu'ils ont pondu. Je suis pas un Guts. Tu disais quoi, Flo, à propos des Cressonis sur console? C'est moi? Non, mais ils ont enlevé les collisions sur console, sur la map. Ah bon? Non, je sais pas. Normalement. Et sans châssis, sans pneu peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, les Cressonis, ils auraient pu les avoir sur console. Ils auraient pu. En Lizard. Non, en Cressonis. Mais bon, comme il y en a qui convertissent et qui mettent en téléchargement sans autorisation, bah, SMI Modding Team, ils ont dit, bah, allez vous faire enculer les consoles. Voilà. Voilà. Ah, vous les aviez, ouais, sur le 19, il me semblait bien, ouais, c'était. Oui. Oui. Sur le 19 sur console, moi j'avais le Cressonis. C'était SMI Modding qui les avait faites, je me souvenais plus, tu vois. Donc celui-là, tu le sèmes en quoi, Flo? En poids? Ouais, les deux petits en poids là. Des petits en poids. Et le grand soja là-bas. Des rames de traitement. Hey, salut Pierre. Mais je suis en... ouais, je l'ai fait au fur et à mesure. Bon, backup, je vais finir le champ tout pile pour les 2 heures de live que j'avais dit. Très très Salut bien. Massé. Arrêtez de les appeler par leur prénom, ils s'appellent Massé, ils s'appellent pas Pierre. S'ils ont mis des pseudos, c'est pour être anonyme. D'accord. Donc toi, je révèle pas que tu t'appelles Chantal en fait. Bernadette. Oui, Chantal. Et Cédric, c'est un pseudo, Cédric? Bah évidemment. Ah. C'est quoi molle? Enfoiré. Qu'est-ce qu'il dit, puce de l'eau? Puceau? Ah bon. Bon bah voilà. Bon alors, on va vérifier notre compte bancaire, qu'on ait bien été payé ce qu'on nous devait. Bah t'es encore là. Parce que là du coup t'as fait un virement pour tout, Flo? Ou Ouais, j'ai l'Acuma a tout. encore des sous? T'as tout payé? Ouais, j'ai payé à la... Cédric, j'ai tout donné à Cédric. La Cuma, on s'en fout. Et merci aux 47 pouces les amis. Oh, on aurait pu attendre les 50, hein. On aurait pu. Alors, déconnexion. Bonsoir Pierre. Putain, il y a... Il y a un blaireau qui est en live là. Comment il va Pierre? Salut Pierre. Ça va très bien. Bienvenue à toi sur la chaîne. Tiens, pendant que je te tiens, Flo, Hmm? entre un blé, on va dire culture, enfin agriculture conventionnelle et un blé bio, il y a beaucoup de différences de prix. 25, 35. Ouais.
Le billet le conventionnel tout à l'heure ils vont dire 200 euros et 300, à peine 300 je crois le blé conventionnel, le bio. Moi il y a 25 à 40% on va dire. Fonction de la courbe. Bon bah voilà mon Et petit Flo. le rendement est 50, bien un bon 50% de moins. Ouais. Merci mon petit David. Ouais, si j'ai le temps dans le week-end, je viendrai des chaumes le deuxième. Oh, ton live il a bugué, non? Ou c'est moi? Non, j'ai une grosse baisse de FPS là. Ah, de FPS, je suis une grosse baisse de kilobits par seconde. Toi tu fais du... tu vois de qui je parle. Hein? T'as fait un live là, tu vois de qui je parle. Oui, c'est ça. Bah ouais, mais je sais pas, j'ai une baisse de connexion, je crois bien. Ça remonte pas. Non, ça bug. Ouais, c'est ma connexion parce que le retour OBS est propre. Ah, il est en train de revenir. Voilà. Normalement, ça devrait plus bugger. Ah, ça baisse. Il doit y avoir un J'ai. orage quelque part. Ouais. Ouais, je regarde. Coucou Katia. Coucou la chef de la team des fruits friands. Merci beaucoup. Bon, une dernière passe et puis j'ai coup. Il a du mal à se stabiliser. Non, ça devrait être un peu mieux. Non, même là, il continue. Ah, du coup, ça va être la fin de toute façon. Donc, ça va être cool. Ah, c'est bon, ça revient à la normale. Ouais, une petite baisse de connexion. Hein, ça arrive. Hein. Voilà. Bon, on rentre à la ferme. On pousse ça et on va se laisser là. Je vais avoir fait la moitié de la parcelle, la backup. Par contre, il fallait acheter des grains, j'en ai plus. Comment tu te sens, Katia? Merci aux 19 personnes présentes. Et aux 48 pouces. Merci beaucoup. On se retrouve à mardi pour nous, peut-être lundi sur la chaîne de Giflo d'1.4. Peut-être activer la cloche. Voilà. Nous voilà à la ferme. Et voilà. Garde, Alt-F4. Allez, bisous à tout le monde. Bonsoir mon Flo, à bientôt. Allez, ciao. Et bon week-end à tous ceux que je ne verrai pas. Ciao, Ciao, ciao. Bonne nuit. ciao. Oh, très bien, Katia. Hop. Ouais, en fait, c'est le sol qui est buggy. Avec le Gyrex. Allez, on éteint le tracteur. On va se mettre sur la fenêtre de hop, les amis. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée, un très bon week-end. On se retrouve mardi, quant à nous, peut-être, comme je disais, lundi chez Flo. Merci Cédric d'avoir été là. Et de rien. Merci à tous les modos d'avoir été là. Merci aux nouveaux arrivants. Et puis, merci pour tous les pouces et toutes les vues. Ciao la bise! Ciao.